Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est dans la voiture parce que ça y est, j'ai reçu mon mail. Belle Morte est arrivée au Cultura. Donc, ben, on va aller récupérer le livre. J'ai envie de faire un petit tour dans le magasin, regarder un petit peu les nouveautés, les livres qu'il y a. Et pas loin, il y a un magasin jour de fête. Et j'ai envie d'aller juste regarder s'ils ont déjà mis les petites décos pour l'automne et pour Halloween. Bon. Je sais, on n'est que début, on doit être le 6, le 7. Enfin bref, ce n'est pas grave, c'est juste du repérage, je ne vais rien acheter, normalement. Donc si ça vous dit, eh bien, écoutez, let's go. Bon, retour des courses, les gars. Oui, tu veux dire bonjour? Tu dis bonjour? Non, oh, t'as pas toute mouillée. Dis Bonjour. bonjour. Bianco. Bianco. Dis bonjour. Dis bonjour aux gens, sois pas mal poli. Bonjour, dis coucou. Tu te vois là? Ça y est, tu t'es vu. Arrive à jouer avec tes frères. Bon, je disais, résultat des courses, j'ai récupéré Belle Morte, le tome 2. Il est trop beau, j'ai hâte de le lire. J'ai fait un petit tour dans le magasin et j'ai vu qu'il y avait le tome 3 des Loups du Millénaire. Je ne l'ai pas pris, j'ai pas encore lu les deux premiers tomes. J'ai résisté, mais il n'est pas impossible que j'aille le chercher avant la fin du mois. Je vous le dis, hein. Et comme vous l'avez vu, je suis passée du coup à un jour de fête et bon, oui, j'y suis allée un peu trop tôt. Malgré que, contrairement aujourd'hui, il fait super beau. Hier, il faisait pourri, il faisait froid, il pleuvait. J'avais remis mes chaussettes en pilou. Enfin bref, donc bon, c'est pas grave. Je vais attendre, je vais être patiente, on y retournera. Mais j'ai pas pu m'empêcher, j'ai craqué. Oh là là, ce bougeoir avec la petite anse. J'en rêvais, je rêvais d'en avoir un. Et ben là, c'était le dernier, il était à 11 euros, je crois, mais il est super beau, il est doré, il est magnifique. Et ça, pour faire des petites photos pour mettre sur Instagram, parce que j'ai l'intention de
de reprendre un petit peu les photos sur Instagram. Ça fait très 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 longtemps que je suis pas allée. Et puis là, pour cet automne, cet hiver, quand à partir de 17h, il fait noir, vraiment j'aime bien voilà, lire ou même me promener dans l'appartement quand je me cherchais un truc. Enfin voilà, je prends de limiter toutes les lumières parce que j'ai fait attention à ma facture. Parce qu'en plus, depuis le début du mois, l'électricité a augmenté. Donc voilà, me promener avec ma petite bougie comme dans l'ancien temps. Voilà, vous voyez, j'ai été très, très, très sérieuse. Je n'ai acheté que ça et j'ai récupéré mon lit. J'ai été d'une sagesse incroyable. Là, je vais me poser deux petites minutes. Depuis peu, j'ai entamé le tome 2 du Trône de Fer. Bon, je n'ai pas lu grand-chose. Je suis à la page 269. Donc voilà, je vais me prendre un petit moment lecture et après j'ai voulu commencer hier les nouveaux épisodes de la saison 3 de The Witcher. J'ai dû tout recommencer depuis le début parce que j'ai oublié tellement de choses que je me suis dit on va reprendre les choses dans l'ordre. Je vais recommencer petit à petit depuis le début. C'est une série hyper compliquée, il faut vraiment être assidu, il faut suivre pour pas louper des trucs importants et se perdre. J'ai vu qu'ils faisaient les livres, mais très honnêtement, j'ai déjà énormément de mal à suivre la série. Je pense que les livres... Donc voilà, petit moment lecture, et après, je pense qu'on va se faire un peu de The Witcher. J'ai bien avancé dans ma lecture, j'en suis à la page 341. Pour l'instant, écoutez, il y a quelques petites différences avec la saison 2 de Game of Thrones, mais pas tellement. Donc j'attends, je verrai bien. Là, en attendant, j'avais faim, donc je suis allée m'acheter une petite baguette et je me suis fait un sandwich aux œufs et au fromage. Et avec ceci, je vais regarder un petit épisode de The Witcher. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Comme d'hab, si oui, mettez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.